aujourd'hui, nous sommes venus ici pour la réunion Interius, qui a été l'occasion pour nous de recevoir, pour moi personnellement et d'autres collègues aussi, de recevoir leur attestation de certification BEST. Nous avions fait le parcours, donc nous sommes la dernière promotion. Il y a eu 6 qui ont reçu leur attestation, y compris moi. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe d'encadrement qui a vraiment donné du bon. Ils nous ont enseigné tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, pas seulement dans la transformation, les notions que nous avions reçues nous permettent de mieux organiser notre vie au quotidien et d'autres activités de nos entreprises aussi. Je les remercie beaucoup. Je souhaite que ces actions se pérennisent, que les acteurs au niveau local puissent intégrer les engagements de SENS dans leur plan de développement. Ça servira au décollement de l'économie locale. Pendant la séance, on a été entretenu par un expert fiscaliste qui nous a décrit, selon le régime fiscal auquel nous appartenons, quelles sont les taxes que nous devrions payer. Ça a été riche en partage d'expérience parce que aujourd'hui c'est l'os dans la gorge de tout entrepreneur, quel que soit le secteur d'activité, les taxes par-ci, par-là, et parfois nous les confondons. On pense qu'il suffit que je sois une entreprise formelle, je dois payer tel montant d'impôts, alors que c'est spécifique au chiffre d'affaires que nous faisons, ainsi de suite. Donc, ils nous ont entretenus par rapport à cela. Il y a eu aussi un entretien sur comment réajuster nos prix, parce que le token amputerait cela au régime fiscal en vigueur pour l'année 2022. D'autres parleraient de la guerre en Russie et tout, mais nous savons tous que les prix de la matière première sur le marché a flambé de prix. Il y a une grande hausse qui a été constatée et cela vraiment pèse sur l'entrepreneur que nous sommes. S'il faut maintenir les prix appliqués avant, on ne pourrait pas tenir, on ne pourrait pas vivre. Alors, on a été entretenu sur les 12 points que nous devons, sur lesquels nous devions travailler au sein de notre entreprise afin de réajuster notre prix pour être viable et vivable afin de tenir sur le marché et faire couler nos produits pour ne pas vraiment fâcher les consommateurs, parce que quand nous transformons, la destination finale, c'est le consommateur. Et si le prix est augmenté de façon brusque, ça risque de frustrer les gens, mais on nous a donné des astuces sur lesquelles nous devons jouer pour pouvoir réussir cet exercice-là. Dans le réseau BEST, ce qui est intéressant, en dehors de l'accompagnement, c'est l'aspect solidarité qui relie les différentes entreprises solidaires. Et cet aspect nous permet de collaborer, de trouver de nouveaux partenariats. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Avec YBC, il y a cette possibilité sur laquelle nous sommes en train de déjà discuter, qui est, puisque moi je suis dans le domaine des farines, je fais la farine de combe, de acassa, le couscous de patates douces. La collaboration entre nous est effective. Donc, m'associer avec elle, prendre ses piments et qu'elle prenne mes farines est une activité qui est très prometteuse. Et je pense que déjà, nous travaillons sur cette perspective. Et c'est une possibilité aussi pour nous d'améliorer nos chiffres, surtout en cette période où les impôts tapent partout. Donc, c'est ce que je peux dire en dehors de l'accompagnement de SENS, de toute cette ambiance-là, de solidarité, de relations entre les entreprises de ce réseau. C'est vraiment important et ça aide à pérenniser ce réseau.